rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de la pagaie en kayak et en stand-up paddle. Ils étaient plus de 170 ce matin à participer à la 11e édition du marathon de la rivière Salée. Côté résultat, pas de grandes surprises. Les favoris se sont une nouvelle fois imposés. Résumé de ce marathon avec Guillaume Desmalles et Philippe Grenier. Les kayakistes sont les premiers à s'élancer de la plage Babin. Dès les premiers coups de pagaie, Franck Fifis fausse compagnie à ses concurrents. Même Manuel Marc, favori dans cette épreuve, a bien du mal à rester dans ses traces. Réglé comme un métronome, Franck Fifis traverse seul la rivière Salée. Il boucle les 20 km de parcours en 1h32 et 23 secondes. Voici l'arrivée de Franck. J'avais vraiment des crampes dans les jambes parce que je suis plus habitué à être serré comme ça en kayak. Et j'avais un peu peur de coincer à un moment, mais en fait, ça s'est bien passé. Quoi. J'ai bien glissé et puis, je me suis vraiment fait plaisir en kayak aujourd'hui. Je suis pas déçu. J'essaie de tenir Franck jusqu'au premier portage. Mais bon, tout le monde connaît Franck, hein. Même s'il fait moins de kayak, mais il a quand même sa condition physique et l'expérience qui a fait la différence. Hein. En stand-up paddle, Romuald Mamadou, dossard 506, part vite, trop vite. Stéphane Baudet, vainqueur de l'épreuve l'an dernier, le dépasse à mi-parcours. Il franchit la ligne d'arrivée avec un temps d'1h30 et 23 secondes. Voilà, Stéphane qui termine son préparation. J'ai mon concurrent direct, Romuald Mamadou, qui est parti très très fort. Il est parti très vite. J'ai pas voulu le suivre là-dedans parce que je me suis dit que j'allais exploser. Donc je l'ai suivi de près. Et après, je suis remonté doucement, je l'ai testé. Et puis j'ai vu qu'il était un peu limite, donc j'ai pu le doubler. Prochain grand rendez-vous pour les pagayeurs le 1er mars avec la course The Race et son parcours de 55 km entre Marie-Galante et Gourbert.